Blacka Décrypte aujourd'hui va vous parler de l'assurance maladie obligatoire au Mali. Eh bien, il y a une assurance maladie obligatoire au Mali, la fameuse sécurité sociale que tout le monde envie à la France. D'ailleurs, en France, il y a une identité nationale sur laquelle on ne peut pas discuter, c'est la sécurité sociale. Tout le monde y trouve son compte, les pauvres, les riches, les sans-papiers. Dès qu'on débarque en France le lendemain, on a droit à la sécurité sociale sous certaines conditions. Ça, c'était pour planter le décor. Revenons au Mali. Donc, en 2009, le président de la République a pris un décret donc, créant l'assurance maladie obligatoire au Mali. Le terme a fait fuir beaucoup de gens. Le terme a fait peur beaucoup de gens. C'était devenu un sujet politique. Certains l'ont mal manipulé. Il y a eu des incompréhensions. Et donc, il n'y a pas eu d'adhésion publique et d'adhésion populaire au début. Ça, c'était au début. Aujourd'hui, il y a un éveil de conscience. Les uns et les autres adhèrent à ce principe-là de l'assurance maladie obligatoire. Il faut peut-être expliquer un peu aux plus réticents pour qu'ils adhèrent au principe. En tout cas, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au Mali depuis le décret autorisant les radios privées au Mali. La liberté d'expression n'a pas de prix. Eh bien, l'assurance maladie obligatoire, c'est un niveau au-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie obligatoire? En fait, c'est le droit aux prestations, c'est le droit aux prestations maladie consécutives à un prélèvement chaque mois sur les fiches de paie. Le prélèvement qui est fait sur les fiches de paie des salariés affiliés à l'assurance maladie obligatoire est insignifiant à côté du service qu'il rend. C'est-à-dire lorsqu'on est malade, on est pris en charge à 70% des frais sur le barème de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un forfait qui est en vigueur au niveau de chaque pathologie. Et dès lors qu'on est malade, la sécurité sociale prend 70%, rembourse 70% des frais dans la limite de ce forfait-là qui est décidé par la législation de l'assurance maladie. C'est pareil quand vous êtes en invalidité ou il y a un décès, il y a le capital décès. Et ce qui est intéressant dans l'implantation de l'assurance maladie, c'est qu'on vous dit dès lors que vous êtes salarié et que vous avez des prélèvements pour avoir droit aux prestations, vos ayants droit, c'est-à-dire femmes, enfants et femmes, vos ascendants et descendants, c'est-à-dire votre père, votre mère ou votre grand-père, vos collatéraux, c'est-à-dire vos tantes, vos oncles. Il suffit que tout ce beau monde-là, à partir d'un petit salaire, parce que les salaires sont tout petits au Mali, donc à partir de ce petit salaire, tout ce beau monde-là, ayant droit, ascendant, descendant, collatéraux, même s'ils sont au nombre de 100, s'ils vivent sous votre toit, s'ils peuvent trouver une adresse sur l'année civile écoulée sous votre toit, ils bénéficient des prestations maladie, d'invalidité et de décès dus à cette assurance maladie-là. À ma connaissance, il n'y a rien de plus beau au Mali. Le problème, c'est qu'au tout début, il y a eu des retards parce que l'incompréhension et la mauvaise interprétation de ces sujets-là au Mali, dans un monde à 90% d'illettrés, fait que le terme obligatoire a fait peur les gens. Le terme obligatoire n'est autre chose que le fait de prélever, il y a un prélèvement qui est là tous les mois. Et ce prélèvement-là, quand vous prenez le taux, il est très très bas. Et quand vous prenez les pathologies au Mali telles que le palu, telles que l'hépatite, des choses comme ça sont prises en charge. Et aussi, c'est un travail sur plusieurs décennies. La sécurité sociale française ne s'est pas faite en un an, en 10 ans. Elle s'est faite sur plusieurs décennies, depuis 1960, je pense. Et donc, celui du Mali va avoir 10 ans en 2019. Et en 10 ans, il n'y a pas grand chose, il faut déjà le mettre dans la tête des gens. Une fois que c'est mis dans la tête des gens aussi, il y a un sacrifice à faire. C'est-à-dire que l'assurance maladie, il y a deux choses. Il y a les professionnels de santé, il y a les structures et il y a les usagers. Il faut que chacun joue son rôle. Aujourd'hui, en participant à ce principe-là d'assurance maladie obligatoire, on va créer les conditions nécessaires et suffisantes pour que les structures sanitaires suivent dans tous les pays. Dans tout le pays. C'est-à-dire que dans toutes les régions du Mali, il va y avoir des CHU. Si les choses se passent normalement, il va y avoir donc des centres hospitaliers avec des universités qui en sont rattachées. Donc il va y avoir une couverture sanitaire à hauteur de souhait.
Et les gens pourraient se soigner sans avoir peur. Aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, on a peur de l'accueil qu'on va avoir. On a peur du verdict qu'on va avoir. L'assurance maladie, quand vous lisez la législation, elle est disponible. Hein, quand vous lisez tous les documents, c'est quelque chose de noble parce qu'il y a de la prévention qui sera un préalable dans ce système-là. C'est vrai que vos enfants, aujourd'hui, on sait, hein, les maladies liées à la dent engendrent des choses sur le cœur et d'autres organes. Et donc, il va y avoir de la prévention au niveau des enfants dès le bas âge pour que le malien soit le plus sain possible. Ce principe-là a été acquis sous le président ATT. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit faire le nécessaire pour lui donner corps et âme afin que le prochain président, les prochaines autorités, les prochaines générations continuent de nourrir le principe de l'assurance maladie obligatoire qui est, comme je le dis, quelque chose de noble. Mais il faut y mettre du sien, il faut faire un travail en amont pour que nos enfants puissent avoir une santé qui leur permet de faire de belles études et amorcer le développement tant attendu du Mali. Et donc, en fait, le mot développement, l'objet qui a été vendu depuis tous les temps, dépend de beaucoup de choses. Et en mon sens, l'assurance maladie obligatoire est quelque chose qui pèse beaucoup dans la balance. À dimanche prochain.